Shalom et salutations à vous, les amoureux du Congo Dialogue et nos fidèles internautes branchés connectés sur www.congodialogue.com. Moi, c'est Josué Boloa, l'international, votre serviteur, votre frère, votre papa Boloa, que vous connaissez, l'international, encore une fois dans vos petits écrans. Merci de choisir ce programme que nous appelons Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Une émission, une plateforme plutôt de l'interaction, une plateforme des réflexions, n'est-ce pas, pour nous aider, n'est-ce pas, avoir des hommes bien faits et des têtes bien faites, pas des hommes avec des têtes bien pleines. Voilà. Alors aujourd'hui, Naekobe Tamasolo, comme vous savez, c'est dans le cadre plus de la religion, et j'ai un article qui, je vais vous lire avec ça, c'est en anglais, mais j'essaierai un peu de traduire cela en français pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. En fait, aujourd'hui c'est quoi? Il y a au moins 20 églises fermées ici en Afrique d'ici deux, spécialement dans la ville de Johannesburg, dans les quartiers que nous appelons Yoville, un quartier où égorge ou loge plusieurs étrangers, n'est-ce pas, des Camerounais, des Nigérians, des Ougandais, n'est-ce pas, des Sénégalais, et des Zimbabwéens, des Zambiens qui sont venus chercher la vie ici en Afrique du Sud. Alors, dommage que pour les uns pensent que pour réussir dans la vie, il faut être toujours pasteur. Et nous avons connu des gens depuis Congo, basant avoir frère d'intercession, et qui heureusement arrivent en Afrique du Sud parce que le pays est tellement difficile qu'il faut travailler, qu'il faut bosser dur. À cause peut-être de la paresse, ils cherchent, bon, ils se jettent dans le ministère, entre guillemets, l'église, et commençant à bâtir une église. Alors, c'est ce qui fait que, étant donné qu'ils n'ont pas cet appel-là, les uns s'hasardent à ouvrir des églises. Et sachant que frère, moi, pas fond l'église, il n'y a pas fond l'église, n'a quoi. Alors, les enquêtes ont été faites, patrouille a été faite dans la municipalité sud-africaine, et ils se sont rendus compte que dans la ville, autour de la cité, le quartier que nous appelons Yoville, tout peut s'en former comme si Matongé n'a niveau à Paris, quoi. Matongé, il y a Paris, Bissopé na Yoville, Bissigani, il va congoler, va couper dans la Kébélé, étranger, basé un peu, mais il est comme un peu quartier, un peu commercial. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de quartier. En réalité, c'est un quartier au fait résidentiel. Mais il y a une grande avenue que nous appelons Rocky Street. Et ce quartier, cette avenue, il y a plus de shops, de boutiques, de magasins. Et ça fait beaucoup d'argent. Mais c'est avéré que ça le constat que l'église est un ami belé. Et botami est belé, le colabamayebo. Alors, maintenant, la société sud-africaine, municipalité, bas une décision, bas quand la bêtise. South Africa. Ils ont autorisé, bino bocha église place wana. Et attention, ils ont mis kanda et des milliers de bosa ils ont bien. Est-ce que vous foutez la taxe? Si vous foutez la taxe, c'est donc qu'il va dire qu'on y en sort et qu'il perd et qu'il perd. Donc, awa wa ba clavier, la synthé ba mixeur et qu'il. Ils ont que la police. À South Africa. Donc, les Arabes ont gagné leur dame. Les appétits, l'église de Nigeria, les places de Bakangi, les police. On va diminuer l'église Libanda et surtout l'église de Congolais, la Nigeria, ils ont un milieu où il y a Yoville, à Kanyinyoso.
Les enquêtes ont été faites. Patrol et Salamaki, ils ont au moins arrêté, ils ont au moins fermé 20 églises jusque-là. Il y a des étrangers. Je signale bien, il y a des étrangers. Réseau Balobinini, parce qu'il y a Makele les atouts. Il y a certaines personnes, entre guillemets, des pasteurs, qui font une église dans un lieu qu'on appelle résidentiel. Mais ce n'est pas des lieux commerciaux. Ce qu'on fait l'église, dans la place commerciale et puis la publique, ce n'est pas un problème. Même si c'est dans les places publiques, il faut qu'il y ait des normes. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas. Aujourd'hui, ça m'a quelé l'été, ils ont dérangé publicité. Et il n'y a pas aussi au beau salama puisque parking exacté ou beau jour qu'on parquait quand n'importe comment. Alors plus fort encore, plus grave les arbres fondent dans les lieux résidentiels, dans des avenues. Au bout d'un quand même, que puisque on a besoin Kinya, on a besoin calme. Mais vous venez, vous implantez votre église là. Maintenant la société sud-africaine, la municipalité que nous appelons bylaws, la métropolis. Batambola bazana ba unit moko batambola bisikani nous a permis ya ko cha shop na yo bisikani nous a permis ya ko implanter église na yo ba ko ya na ba ven na bango na ba track na bango ba ko kota ba ko kanga. Selon l'article nous avons lu, selon l'interview porte-parole ya GMPD ou ya métropolis, ba lui ba kangi déjà 20 églises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans des églises, dans des immeubles, ba tali ke bozo ko répondre na régularité. Ba norme était singé nouveau fond l'église place one. Ba koti ba confisquer ba kiti, ba confisquer ba instrument. Ba confisquer tout ce qui est là comme ba asset, tout ba instrument au bozo salé là parce que vous n'êtes pas permis d'opérer comme étant une église. Comme rappel, ici l'Afrique du Sud reconnaît les églises comme étant des ONG, des sociétés, des associations sans but lucratif. Sur ces, il y a des normes à suivre pour que on implante l'église na yo. Mais dommage, la plupart des pasteurs, bien sûr il y a aussi des étrangers, mais moi en tant que Congolais, je parle en tant que Congolais, la plupart des pasteurs congolais, ils implantent des églises na ba place oyo, ils ont répondu na ba norme et ba fond l'église. Ça devient un danger pour la municipalité sud-africaine. Ça devient vraiment un danger. Il y a des Nigériens qui ouvrent des églises na place où il fallait pas ba fond l'église. Et puis ils ouvrent des églises illégalement. Ils n'ont pas de documents. Et le porte-parole, M. Wane, a insisté sur ça. Ils ne sont pas contre les églises. Ils ne sont pas contre la parole de Dieu. Ils ne sont pas contre que mais ils sont contre la manière dont le pasteur opère. Dans un immeuble, tu vas trouver au moins 45 églises. Un immeuble, 45 églises. Kuna Yesu Azaliawa, Koto Yesu Kita, Kuna Yesu Kende, Yesu Yakako Salaboué. Dans un même immeuble. Alors, maintenant, les Sud-Africains se disent non. Ça, nous sommes contre cela. Il faut qu'il y ait des régularisations. Il faut qu'on continue toujours comme ça la banquette. L'église, où ils ont enregistré, dans le niveau de la municipalité, dans le niveau du gouvernement, il n'y a pas déjà, il y a des instruments, il y a des instruments, pénalité. Il y a 3200 rennes pour libérer les instruments. Alors, 3200 rennes, s'il faut parler en termes de 120$. 220$ au Sengeli Kofuta comme pénalité. Ceux qui ont fouti en haute bakokanga toujours bien. Alors, quelles sont les mesures basu? Parce qu'on s'est rendu compte que l'église a commis dérangement pour les Sud-Africains. Et puis, ils ont compris que la plupart des pasteurs, les talibanda, ils ont escroqué les Sud-Africains, ils ont manipulé les bango. Parce que les Sud-Africains sont tellement vulnérables, ils ont prophétie, ils ont toujours recevoir prospérité. Je comprends que la plupart des pasteurs qui ont été en train de se bango. Ils construisent des maisons, ils ont été en train de se business et ils ont été en train de parce que les Sud-Africains ont toujours prophétie. Alors, prophétie, moi, je suis en train de donc, à vos prophétie, consultation prophétique, tout ça, ça dérange un peu le Sud-Africain. Alors, pour finir à cela, voilà pourquoi ils ont commencé déjà à faire des enquêtes pour savoir si votre église est enregistrée ou pas. Ça, c'est une interpellation à tous les pasteurs congolais, spécialement congolais. Les Zambela, Babeti Bisso, Boluka Nengeni, sauf l'église de Nandaku, Botala, si l'église est enregistrée. Chers fidèles, Ozola Nangana, Bissiko, Zena, Katz, Afrique du Sud, sache que l'internaute, c'est trop sérieux. Voilà pourquoi nous attirons l'attention à tous les fidèles qui vont nous suivre en ce temps ici. Bato Boza Napoto, Boza, partout vous allez nous suivre. Comprenez que l'Afrique du Sud commence à devenir de plus en plus très sérieux. Avec le vent que nous avons suivi à la xénophobie, maintenant il commence à s'attaquer aux églises. Ce qui est vrai, c'est que
il y a certains de pasteurs, entre guillemets pasteurs, qui commencent aussi à abuser les Sud-Africains, à abuser, parce que je ne pouvons pas comprendre. C'est vrai qu'il est écrit, faites-les toutes les seules disciples. Mais quand vous venez dans un terrain, vous trouvez que dans l'immeuble où il y en a 28 églises, il y a 29. Peut-être pour partager les loyers, ce n'est pas mauvais. Mais le problème maintenant, la régularisation, comment vous opérez, comment vous travaillez, ça devient maintenant un dérangement pour la municipalité sud-africaine. Vous implantez une église dans un quartier résidentiel, ça dérange. Le sud-africain aime le silence, Balingabisika calme. Mais vous venez là-bas, vous mettez des bruits. Pourquoi ne pas arranger ce qu'on appelle les soundproof? Si le Seigneur vous a réellement appelé d'implanter une église dans un quartier donné, faites les enquêtes. Ce qu'on appelle assessment, vous cherchez comment et quel endroit tu peux implanter une église dans un quartier, peut-être dans un endroit où commercial, là où il y a des bruits, les gens vont toujours venir, n'est-ce pas? Alors, quand vous pouvez implanter l'église dans un nanakata ndako, ça dérange. Et moi, personnellement, je connais un pasteur, on lui a bien tiré l'attention. Au tiers église, il y a 4, numéro peut-être 5 ou numéro 28, n'est-ce pas? Ils ont un quartier résidentiel, il y a besoin de kimia. Et vous venez là, Yeshua, à partir de minuit, comme nous les Congolais, nous aimons trop crier. Nous pensons que crier dans la prière de Rosala Genzamba ou intimider Nzambe. Crier ou ne pas crier, Dieu n'est pas intimidé de tes cris, n'est-ce pas? Alors, c'est une interpellation à tous les hommes de Dieu, congolais spécialement et étrangers, de faire très attention petit à petit jusqu'à la fin de l'année, sachant aussi que à la fin de l'année, qu'il y a des séminaires, il y a des conférences. Rassurez-vous que votre église est enregistrée. Vous répondez aux normes et aux critères sud-africains pour opérer. C'est vrai, vous allez parler, non, ils sont contre l'église, tout ça. Mais quelque part aussi, les pasteurs ont aussi, ils ont aussi abus, des abuse, des trust. Ils ont abusé la confiance que les Sud-Africains leur ont donnée. Ils les ont donnés. Voilà pourquoi ils ont maintenant commencé à devenir très, très sévères pour fermer certaines églises. Ce qui est vrai aussi que il y a Bamsoupe Baso qui opérait illégalement. Oyo Bandika, bon, l'Éternel m'a parlé, mais tu ne sais pas qu'il faut répondre aux normes et aux critères. Le Seigneur t'a parlé, bien sûr. Pourquoi ne pas enregistrer l'église? Et pourquoi ne pas aussi chercher un endroit où les gens viendront sans pour être un dérangement? Maintenant, vous avez le problème de parking. C'est ça aussi que le porte-parole des métropolis aussi a soulevé. Ça dérange un peu. Ça dérange. Vous allez parquer au Kangi Banzela Nyonso. Il n'y a pas moyen que les gens passent. Et quand vous priez la nuit là, les résidents appellent la police parce qu'ils disent non, bateau bateau déranger bichot. Pourquoi ne pas chercher des moyens où qu'on appelle des soundproof, boutique na katia ba église, des bachars na ba studio wana. Il y a des studios, il y a la musique, tout bien à soundproof. Bazan on studio dans un quartier mais beaucoup katé makélé les alibanda. Pourquoi ne pas aussi faire ça? Et puis par après vous allez dire que le Sud-Africain attaque aux églises. Bien sûr, ils ont une responsabilité. C'est un pays qui a un problème spirituel. Afrique du Sud, ils ont un problème spirituel. Ils croient aux ancêtres. Mais nous ne voulons pas aussi, en tant que des chrétiens ou des enfants de Dieu, pour dire que ils ont contre l'église. Mais regardez bien, l'église est installée où? Et plantée où? Comment vous opérez? Est-ce que vous ne dérangez pas les voisins? Et puis par rapport, on va dire que ça va occultiste. Voilà pourquoi les Sud-Africains aujourd'hui s'élèvent contre les églises. Vous ne pensez pas que Ziré Mapo, ça connaît ça? Il connaît ça. Parce que les métropolis ne peuvent pas descendre dans un quartier, faire fermer des églises, sans que l'autorité suprême qui est spécifique sur Mapo, ça y est, ils savent ça. Vous comprenez? Mais nous devons aussi être dans les safe sites pour dire que non, mon église est enregistrée. Là où j'ai implanté, j'ai déjà contacté ma voisins, ils n'ont pas un problème sur ça. Voilà les documents, nous payons les taxes, nous payons ABCD, voilà ce qui est le revenu. L'administration est assise, vous payez les taxes de l'État, vous soutenez le veuve, vous soutenez les orphelins, vous faites des charités, des actions de charité, tout ça. Vous contribuez quand même, et puis il y a aussi des Sud-Africains. Donc quand vous montrez cela à la municipalité sud-africaine, vous montrez cela à l'autorité sud-africaine, je ne pense pas qu'ils seront contre vous, n'est-ce pas? Mais ceux qui, pour l'immeuble Mongo, vous en avez 58 églises, même à Cape Town, immeuble Mongo, 103 églises, dans une avenue, 53 ou 78 églises, dans une avenue. Tu vois, donc ça, les Sud-Africains sont contre cela. Alors, nous interpellons aux
pasteur congolais, s'il vous plaît, les hommes de Dieu, ça c'est une interpellation. Si vous ne saviez pas, mon numéro est dans les petits écrans, je vais vous enverrai cet article-là. C'est une interview qui a été, que j'ai suivie moi-même le lundi, au niveau à Power FM Radio. Le porte-parole de la municipalité a dit qu'ils ont déjà fermé au moins 20 églises et ils vont continuer toujours à faire le patrouille pour fermer d'autres églises. Donc, chasse à l'ombre et bandit, chasse aux églises, ça a commencé. Alors, c'est une interpellation à vous, le pasteur. Si l'église n'est pas encore enregistrée, fais-le. Regardez si vous répondez aux normes d'une église. Et si tu vis seul comme une église indépendante, cherchez à s'allier. Il y a des associations, des églises. Et ça, c'est une interpellation aussi aux pasteurs, les associations de pasteurs congolais en Afrique du Sud, les associations de pasteurs, les ministres francophones ou anglophones à Djobou, les ministres francophones ou anglophones à Cape Town, Durban, Port-Elizabeth, Pretoria. C'est une interpellation qu'il faut considérer cela. Sinon, un jour, vous allez vous retrouver, la police est dehors, va comment checker dans Mibangunda Babandimi. Parce que bah, déjà l'église ou les a enregistré, vous avez dit que 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 vous avez parce qu'ils savent que les étrangers vous avez dit que vous avez dit que donc le past weekend 20 churches has been raided over the weekend. Alors ils sont trop sérieux sur cela. Alors pour eux ils risquent même il y a copé sa fine l'autre bien la pénalité il y a 500 000 rentes, bah quoi qu'on paye ça bien nos pénalités n'ayango. Mais l'église ont déjà bakangi ben instrument n'ango na yoville ouana vous savez ils n'ont pas mentionné ça dans l'article même l'interview que j'ai suivi n'ont pas mentionné quel genre des églises. Bah parce que bah combo n'ango t'es mais ils ont déjà arrêté ou fermé 20 églises bah récupérer ben instrument bakangi ango. C'est une interview à tous les pasteurs qui nous suivent au travers de cette émission Espace Dialogue avec moi Jean-Louis Bolo à l'international. Émission de bonne manière, tu peux savoir information à solo, de vérifier tout le monde que c'est comme ça. Et nous voulons aussi prévenir à nos hommes de Dieu, s'il vous plaît, partout où vous allez suivre cette émission, à ceux qui sont en Europe, partout, aux États-Unis, vous savez un ami, vous avez un ami pasteur qui évolue en Afrique du Sud, lance-lui cette vidéo, lui dire que non, en Afrique du Sud, on commence déjà à fermer des églises illégaux. Ceux qui opèrent d'une manière illégale ne sont pas enregistrés. C'est possible, il faut enregistrer les églises. Comment le faire? Enseignez-vous, allez dans les municipalités pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour enregistrer votre église. Et la location, là où votre église se trouve, est-ce que c'est un milieu résidentiel ou commercial? Si c'est résidentiel, bazo ko attaquer en haut, bazo kanga en haut, bazo kanga parce que ba voisin si ba report na la police que non, ba tout monde ba ko implanter l'église parce que étranger, ba yewana ko tela biso makelele. Prenez des dispositions sécuritaires, prenez des dispositions légaux qui vous permettra d'évoluer très bien et travailler pour l'église. Nous ne voulons pas que nous puissions démonétiser ou démoniser, rendre cela démoniaque parce que on répond à la question. L'église est enregistrée. Taxe au foot à côté. Bah 10 millions sur chaque mon apport sont à contrôler. Bah audit. Monta ça là quoi audit à zate. La gestion financière de l'église c'est toi-même. Peut-être ta femme ou ton secrétaire ou je ne sais pas moi qui. Gestion financière de l'église c'est ça qu'a famille. Alors personne ne peut te gérer, personne ne peut te contrôler. Maintenant la société africaine a besoin de ça. Il a besoin bah parce que bah foot à rabat bah taxe. Vous enregistrez tout t. Si vous enregistrez vous foot à taxe ou vous foot à raté. Le 1 dixième que vous recevez chaque fin du mois. Bilan et année, 12 mois, on a vous payé combien? L'eau, l'électricité. C'est dans les comptes de qui? C'est pour toi, même le pasteur, ou c'est enregistré sous le nom de Baud. Hein? Baud même, le comité, l'immeuble là que vous louez, ou vous, est-ce que vous avez acheté? Vous payez comment? Tout ça, l'administration doit être gérée. C'est ce que le Sud-Africain veut. C'est ce que la municipalité veut pour les églises des étrangers qui sont venus implanter ici. Si vous ne faites pas ça, demain après demain, ils vont frapper dans votre porte, l'église sera fermée. Nous ne voulons pas que le fidèle vienne, écoute l'église au Kanga, ben srimezate, bati maman akadena, bati ba policier wana. Ça sera la honte pour notre Seigneur Jésus. Alors nous devons prier Jésus avec sagesse, nous devons prier Jésus avec intelligence. Pas avec, car tous allons emballer par l'esprit. Parce que pour le moment, les gens ou certains passés sont trop spirituels, bloquent à l'état, bali kolanda yangote. C'est vraiment un danger.
Il y a certains pasteurs aussi sont beau papa. Mbonga ba dit mais kenda wa bofrande bo sala na oni. So me retourner bon un problème. Ça c'est un danger. En tant que pasteur, il doit avoir une administration bien assise. Comment l'argent est géré, les offrandes, les actions de grâce, comment c'est géré, les dîmes là, comment vous utilisez ça? Comment? Est-ce que ça bénéficie à l'impactation de la communauté lorsque vous évoluez? Si ça ne bénéficie pas, c'est un problème. Voilà pourquoi les Sud-Africains veulent aussi faire tous ces suivis-là pour bailler bah, gestion financière à l'église de la Randengenin. La plupart des pasteurs, bah, c'est déjà bah, bu et belé. Il y a un monde qui dit, comment est-ce qu'on a même l'église à Mickey, Mickey, au coup de l'air, l'offrande des airs, 10 dollars, 20 dollars. Vous comprenez? Tout ça parce que, bah, oh, bah, Zaki Likolo, ils ont abusé de cela. Voilà. Voilà un peu, maman Francine Nguyen de la Belgique, la grand prêtre mère. La réflexion ou les messages que moi, Bolois, j'ai voulu partager avec vous, peut-être ça pourrait paraître un peu, ah, Bolois, est-ce que c'est solo? Ezer Solo, le porte-parole de la municipalité, bah, JMPD, il y a Métropolis Afrique du Sud, a annoncé, et puis bah, Kangi, 20 églises en Afrique du Sud. À bon entendeur, salut. J'ai dit merci à prof Bellon, Oazali, directeur, il y a centre de formation, il y a langue en Akati, il y a Cape Town, il y a South River, Prof Bellon, White Cloud Campus. Sur le lingua amélioré, qui anglais, nous avons un cancer, il y a mouké. Au lingua pèse un antivirus, il y a un centre Cloud, White Cloud Campus, il y a Prof Bellon, il y a un cours anglais, et puis il y a une facilité, il y a un study permit, et puis il y a un work permit. Il y a un Congo, il y a un Europe, il y a un Afrique du Sud, contactez un inbox, il y a un numéro Prof Bellon, il y a un aide pour nous. Avec permis, c'est pina basta du permis. Et grand merci à grand prêtre mère Francine Nguyen de la Belgique. Merci à Aristote. Merci à Bayonion Sobolinga Kabiso. Je suis Bola toujours là pour vous informer. Vous allez toujours rester branchés, connectés. Vos commentaires nous sont les bienvenus. Vos suggestions, vos questions nous sont toujours les bienvenus. Donc, c'est une situation ou un dossier à ne pas négliger, surtout aux hommes de Dieu qui me suivent en ces temps ici. Vidéo, vous allez partout. Lisanga, famille d'adoration, nos amis qui sont au pays, vous avez la vision de venir implanter une église en Afrique du Sud. Comprenez qu'avant de commencer, il faut d'abord savoir comment légaliser et avoir des documents légaux pour implanter une église. Et si vous avez déjà commencé parce que le Seigneur vous a appelé, c'est le moment de pouvoir légaliser l'administration et vendre. Comme ça, tant que tu as ta porte, tu as ma kelele. Oso prier trop, tu déranges la communauté. Tu présentes les documents légaux que tu es enregistré et tu présentes que non, voilà ce que je fais, je paye ma mes taxes. Ah ouais, dans un pays sud-africain, on va prier pas nanga, na idaka ba veuve na ba orphelin, ba sans abri, na cela ba action évangélique, pe ba action à charité. La Sud-Afrique, je ne pense pas que la société sud-africaine va retenir les mélanges. Jusqu'à la fois prochaine, Tokutani Mbalasima. Bonsoir à tous, comme l'habitude. Grand merci Nester Mabouaka, merci Nayope, maman Ninel Ntenga. Merci Motema ya Taizone. La bonne sanité maman SP Lego. C'était ton anniversaire, na profiter na peso bon anniversaire. Nzela ya Congo dialogue pour comprendre que nous sommes de cœur avec vous. Voilà, bonne sanité maman Rebecca Motema, pasteur Abel Mayanga. Nous sommes together, hein, tous ensemble na yo. Basta. Donc si n'allez pas pasteur monsieur Kenza boue ba sud-africain ba comme kanga l'église. Il y a ba congolais na étranger parce que azo chama kelele. On se retrouve à la fois prochaine. Bye.